élu maire de la commune d'Aboisseau le 21 avril 2013, Monsieur Mamadou Kanno, comme promis lors des campagnes électorales, est en train de donner progressivement un nouveau visage à Aboisseau dans divers domaines. Il s'agit entre autres au titre de la santé. La construction de 3 centres de santé urbains dans 3 quartiers de la commune, à savoir Rive Gauche, Sokoura et Tépé. Chaque centre de santé est équipé en lits et matériel biomédical par la mairie d'Aboisseau. Au titre de l'éducation, la construction d'une école primaire de 6 classes plus bureaux en R plus 1 à Assouba. La construction d'une école préscolaire de 3 classes plus bureaux à Sokoura. La construction d'une cantine scolaire à l'EPP Bad au quartier Bois Blanc. Et la construction d'une cantine scolaire à l'EPP Sokoura. D'autres bâtiments sont en cours de construction, à savoir une école primaire de 6 classes plus bureaux en R plus 1 avec toilette à Congo-Djan. Une école primaire de 6 classes plus bureaux en R plus 1 à Ayebo. Une école primaire de 3 classes plus bureaux avec toilette à Lengue. Une école primaire de 3 classes plus bureaux à Bétiabo. Une école primaire de 3 classes plus bureaux à Ebokofi. Et une cantine scolaire à l'EPP Municipalité au quartier Rive Gauche. À tous ces chantiers s'ajoute la distribution de 200 tables bancs aux différentes écoles primaires publiques de la commune chaque année depuis 2014. Au titre de l'amélioration du cadre de vie des populations. La réfection des escaliers, la réhabilitation et l'éclairage public du marché central. La réhabilitation de la salle des fêtes. La réhabilitation de l'hôtel de ville. La réhabilitation des locaux des services techniques de la mairie d'Aboisseau. La construction de la clôture, de la guérite et du logement du gardien du nouveau cimetière municipal. Les reprofilages lourds et légers des voies de la commune. L'extension du réseau électrique. L'obtention par un plaidoyer du bitumage de plus de 6 km de voies dans la commune. Plusieurs outils de travail tels que les sabots, les ordinateurs, les tondeuses et débroussailleuses, les véhicules, les motos et bicyclettes ont été acquis par la volonté du maire Mamadou Kanno aux fins d'améliorer les conditions de travail des agents de la mairie d'Aboisseau. Au-delà de toutes ces opérations d'investissement, s'ajoutent également de nombreuses actions sociales. Entre autres, 250 prises en charge d'un montant de 10 millions de francs CFA offertes chaque année depuis 2014 aux élèves du privé. Les subventions à plusieurs organisations de la commune, telles que les femmes, les jeunes, les personnes du troisième âge, les associations communautaires et bien d'autres. Les fonds de financement des projets des jeunes et des femmes. L'achat et l'installation d'un nouveau pylône de 51 mètres pour la radio communale DFM. Les offres subventionnées de permis de conduire et bien plus d'actions sociales au quotidien pour un montant total de plus d'un milliard de francs CFA. Pour récompenser son abnégation à la tâche et ses efforts en faveur du développement économique et social, plusieurs prix ont été décernés au maire Mamadou Kanno. Le diplôme d'encouragement de la direction des marchés publics pour les performances réalisées dans le respect des délais de procédure de passation des marchés publics au titre de l'année 2014. La distinction des meilleurs acteurs de la meilleure municipalité par le réseau des communicateurs pour la République. Le super prix de l'éléphant d'or 2014, décerné par l'Organisation panafricaine de la jeunesse francophone. Le prix du commandeur de l'ordre africain décerné par l'Institut panafricain de la biographie pour service rendu à la jeunesse en 2015. Le prix du meilleur maire de Côte d'Ivoire et le grand prix de la bonne gouvernance décerné par Safam Cominter en janvier 2018. En 5 ans, le maire Mamadou Kanno, soutenu par son conseil municipal, a pu apporter de la lumière et de l'espoir dans le cœur de nombreux habitants de sa commune. Conscient que beaucoup reste encore à faire, le premier magistrat de la commune d'Aboisseau s'engage à toujours œuvrer à faire d'Aboisseau l'une des meilleures cités de la Côte d'Ivoire. Mamadou Kanno, le bâtisseur.